Allez, on redonne la parole à Aymeric et après ce sera Léa. De quoi parlez-vous? J'ai pris mon temps. Je vais enchaîner. De quoi parlez-vous? Vous parlez de générosité de la gauche vis-à-vis des étrangers. De quoi parlez-vous? Mais je parle par exemple de cette régularisation massive des sans-papiers qu'il y a eu sous le gouvernement Jospin, jusqu'à 80 000. 80 000. Mais on ne s'est pas posé la question, 80 000. On ne s'est pas posé la question de savoir si il y avait du travail pour eux. Moi, j'estime que... Vous savez pourquoi ils étaient régularisés à l'époque? C'est parce qu'il y avait justement des lois qui avaient bloqué toutes les régularisations les années précédentes. Mais vous dites dans votre livre, vous en parlez, et puis vous ajoutez « et les gouvernements socialistes ». Donc en gros, et ce que vous êtes en train de nous dire ce soir, c'est qu'en effet, il y aurait une forme de grand laxisme généralisé de la gauche depuis 20 ans à l'égard des étrangers, des sans-papiers par exemple. Vous savez combien il y a eu de sans-papiers régularisés sur les 5 ans, justement, pendant lesquels Jospin était Premier ministre? Combien? Non, mais d'abord, je ne suis pas votre élève, donc... Ben non, mais c'est pas ça, c'est vous arrivez avec un livre, c'est vous, qui, c'est vous le premier qui avez sorti un chiffre. Vous savez combien, c'est vous qui moi aussi, envie. je peux vous demander aussi une question sur un chiffre, sachant que vous ne le connaîtrez pas forcément. Ben j'espère quand même que vous connaissez les chiffres du sujet dont vous avez la prétention de parler. Oui, mais ça, c'est pas c'est vous qui avez c'est vous qui sorti un chiffre, 80 000. C'est juste que je considère 80 000. Que vous n'êtes pas mon professeur. 80 000, mais je ne suis pas votre prof, je suis un journaliste, je vous pose des questions, vous êtes un homme politique qui veut se faire élire, vous avancez des arguments qui ne sont pas fondés, qui sont faux, j'essaie juste de les prouver qui ne sont pas fondés. Alors, expliquez, au total, entre 97 et 2002, 144 380 personnes sans papier ont été régularisées. Ça fait à peu près 30 000 par an. Mm-hmm. Combien sous Nicolas Sarkozy, pendant qu'il était président? Beaucoup aussi. 30 000 beaucoup. Par an. Je sais. C'est les mêmes chiffres, exactement. Non, c'est pas tout à fait les mêmes. Il n'y a aucun laxisme de la gauche. Parti socialiste. C'est mais faux, c'est mais je ne suis pas en train de vous dire que Nicolas Sarkozy a tout bien fait. C'est la même politique qui a été menée. C'est non, la même c'est politique. Pas vrai. C'est, pas c'est vrai. La même politique non, qui a été menée en ce qui concerne les sans-papiers. Non, c'est, vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. La politique, si, c'est pas si je vous donne des chiffres, vous êtes incapable de m'en poser d'autres. Non. Je peux vous dire que la politique n'était pas la même. Mais je dis juste que moi, ce que je souhaite. Bah, c'était le même résultat, en tout cas. Mais pourtant, on peut rentrer dans des batailles de chiffres, Émeric. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est vous-même le premier qui avait sorti un chiffre. Si, ça nous intéresse. Parce que parce que je vais reprendre le wagon. Puisse choisir librement et souverainement qui elle veut accueillir et qui elle peut accueillir. Vous savez que vous mélangez. Nous avons le droit de maîtriser notre vous mélangez destin, tout. Le problème, c'est que vous mélangez tout. La France n'est plus aujourd'hui un pays d'immigration. Il va falloir que vous compreniez ça. Il va falloir que Marine Le Pen le comprenne. Il va falloir que vous le compreniez. Elle veut une immigration zéro. Moi, j'ai jamais dit que je voulais une immigration zéro. On est l'un des pays d'Europe. On est l'un des pays d'Europe qui accueille actuellement le moins d'étrangers. Nous sommes l'un des pays les plus durs. Si je voulais une immigration zéro, je serais au Front National. Je ne souhaite pas une immigration zéro. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous confondez tout. Que nous choisissions le nombre d'immigrés que nous faisons venir en fonction de notre capacité d'accueil. C'est exactement ce que nous faisons. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes l'un des pays les plus sévères en ce qui concerne l'accueil de nouveaux immigrés en Europe. Et même d'ailleurs dans le monde, à l'exception de certains pays comme le Japon. Mais vous confondez tout. Vous confondez des gens qui sont en France, qui ont aujourd'hui 20 ans, qui sont des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants d'immigrés, qui sont parfaitement français. Totalement. Et que certaines personnes, sous prétexte qu'ils auraient la peau un petit peu plus sombre, certaines personnes veulent toujours désigner comme des étrangers ou des immigrés. Et c'est en ça que vous avez raison de dire que Marine Le Pen... J'ai dit ça, moi. J'ai dit, vous les confondez. Okay. C'est en ça que vous avez raison de dire que Marine Le Pen... Parce que comme ils sont encore présentés, de caricaturer mon propos, ils sont encore présentés, ces gens-là, comme des immigrés. Et le fait, par exemple, ce qu'il y ait actuellement en France... 4 ou 5 millions de musulmans. Alors on nous explique que c'est en un pays tellement divin et qu'on en laisse arriver plein et que c'est dramatique. Et notre pays. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes en train de dire qu'il faut maîtriser notre immigration comme si on ne le faisait pas à l'heure actuelle. C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. C'est l'amalgame qui, évidemment, est en c'est un mais amalgame, bien sûr, c'est l'amalgame. Absolument. Mais la meilleure manière et là de vous faites, là où vous êtes très FN dans votre manière de faire et dans votre pensée, même si j'ai pris l'honnêteté, c'était par honnêteté tout à l'heure que j'ai relevé cette phrase que je trouvais plutôt modérée sur les musulmans, je voulais le faire pour justement montrer une forme d'objectivité, mais je trouve tout le reste, en revanche, la crainte de l'immigration massive, on y a le droit, la dénonciation d'une insécurité qui serait grandissante dans le pays, l'appel... Pour vous, il n'y a pas de problème d'insécurité. Voilà, là encore, on est dans la crainte. Attendez, l'insécurité, il me dit la crainte de la sécurité. Je peux répondre, c'est pas oui, pareil, ce que vous dites, c'est ce qu'il dit. Il peut y avoir des problèmes d'insécurité sans qu'elles soient grandissantes. Mais je pense qu'effectivement... C'est une différence. Les Français... Laissez-moi vous répondre très clairement. Entre M. Caron et moi, je pense effectivement que l'insécurité est grandissante dans ce pays. Mais si Monsieur Caron... Oui, vous pouvez le penser, mais il faut que si Monsieur Caron, qui vit sur Mars, manifestement, considère qu'en France, il n'y a pas d'insécurité grandissante... Parce qu'il est libre à lui.
Alors, et d'ailleurs, nos téléspectateurs jugeront en fonction du vécu. Eh bien, alors, j'invite tous les téléspectateurs à se référer à tous les derniers chiffres de l'ONDRP. Non, mais ça, j'en fiche des chiffres, monsieur. Très bien que les chiffres. Non, justement. On va pas vous dire, monsieur Caron. Non, non. Vous êtes insupportable avec. Mais alors, attendez, vous n'avez pas de chiffres. Essayez de vous concentrer sur le vécu. Alors, vous n'avez pas de chiffres. Non, mais là, il a raison. Sur le ressenti. Je suis obligé de lui donner. Mais non, vous ne pouvez pas donner raison. Est-ce que je peux expliquer? Il y a des gens, des chercheurs, dont c'est le travail qui travaille. C'est pas mon rôle et c'est pas mon métier. Non, vous êtes politique, alors essayez de pas dire de conneries. Qui travaille depuis 20 ou 30 ans. Mais restez calme. Restez calme. Non, mais vous nous l'avez déjà monsieur Caron. C'est rengaine. Monsieur Caron sort de ses gonds, je comprends maintenant. Non, non. Effectivement, Laurent Roquet, vous vouliez le remplacer. Non, c'est pas pour. C'est pas cette raison. C'était de bonne guerre, c'était de bonne guerre, mais j'observe juste qu'il ne reste pas calme. Je vais juste vous répondre sur les chiffres. Vous avez raison. C'était nul, mais là, c'est nul aussi. Pardonnez-moi. Match nul, comme on dit. Match nul. Franchement. Non, non. Match nul. Parce que si j'avais voulu le remplacer à cause de ça, j'aurais pas attendu 3 ans. Ça fait quand même 3 ans qu'il nous emmerde avec ces chiffres. D'ailleurs. On peut truquer les chiffres de l'insécurité. On peut leur faire dire n'importe quoi, et ça a notamment été fait sous Nicolas Sarkozy. Oui, mais on peut pas truquer ce que ressentent les gens. Sous Nicolas Sarkozy. Oui, mais il ne faut pas. Et c'est justement céder. Et en ce moment, je pense que les hommes politiques ont une grande responsabilité pour justement expliquer à la population la vérité. Et s'ils ont un ressenti, et ça, il faut en tenir compte, leur expliquer. C'est ce qu'il explique. C'est ce ressenti. Oui, on avance. Mais ce n'est pas parce qu'on a un ressenti que la délinquance augmente réellement. Tous les chiffres officiels, il se trouve, nous montre que depuis quelques années, les chiffres de la délinquance sont en baisse. Vous nous avez donné 18 fois, M. Caron. Lâchez vos chiffres et allez sur le terrain. C'est tout ce que le conseil. Le terrain, j'y suis allé beaucoup plus souvent que vous, malheureusement pour vous. Léa Salamé. Léa.